Bonjour à tous. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui de l'Université Côte d'Azur. Nous allons essayer un peu de comprendre son fonctionnement avec Stéphane Azoulay. Donc, Stéphane, bonjour. Je vous laisse vous présenter du coup à nos auditeurs. Donc, bonjour Margot, donc, je suis le vice-président formation de l'Université Côte d'Azur, nouvelle université créée depuis janvier 2020. D'accord. Eh bien, du coup, nous allons vous demander un peu plus de précision sur l'Université Côte d'Azur, car vous devez connaître le sujet du bout des doigts. Donc, finalement, quelle définition, pour commencer, donneriez-vous de l'Université Côte d'Azur, par exemple, en commençant par son périmètre? D'accord. Alors, Université Côte d'Azur, c'est une université dite expérimentale dans le sens où elle va associer un ensemble de nouveaux acteurs par rapport aux universités plus traditionnelles qui permettent de créer vraiment une nouvelle dynamique pluridisciplinaire et beaucoup plus ouverte sur son territoire. Donc, nous avons au sein de l'Université Côte d'Azur intégré l'ancienne université Nice-Sophia-Antipolis, mais aussi des établissements comme la Villa Arson, qui est une école d'art qui délivre des diplômes nationaux dans le domaine de l'art, l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est un institut de recherche. Nous avons intégré l'Institut de formation en masso-kinésithérapie, qui forme des kinésithérapeutes, ou aussi, par exemple, l'école des acteurs et le théâtre de Cannes. Donc, c'est vraiment une ouverture beaucoup plus large, un périmètre beaucoup plus large et pluridisciplinaire, avec aussi une transformation en interne de l'ancienne université sur de nouveaux contours. D'accord, bah c'est très intéressant effectivement. Et dans ce cas, quels sont les objectifs en fait d'Université Côte d'Azur? Alors, c'est vraiment d'essayer d'offrir aux étudiants des formations de qualité ouvertes sur le monde, sur les nouveaux métiers, à tous les niveaux. Donc, ça va des diplômes pour le moment. Même s'il y a une réforme de Bac plus 2 avec des DUT dans le cadre de notre IUT, puisqu'on a aussi un IUT. Ça va, bien entendu, au travers des licences. Nous avons un ensemble de licences qui sont regroupées dans des portails, on en discutera peut-être tout à l'heure, au niveau master, au niveau doctorat, mais on a aussi des écoles, une école d'ingénieurs, Polytech à Sofia. On a un IAE qui donne aussi donc des diplômes plus spécialisés dans de nombreuses disciplines. Et bien sûr, on a deux UFR de santé, UFR de médecine et UFR d'odontologie, et une école de maïeutique pour délivrer des diplômes orientés sur la santé. Donc, c'est vraiment ouvrir à tous les niveaux et sur toutes les disciplines possibles que l'on rencontre aujourd'hui. Eh bien, ma foi, ça m'a l'air extrêmement complet tout ça. Justement, y a-t-il une organisation particulière? Parce qu'on voit donc qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont mis en jeu. Est-ce que justement vous avez des prérogatives particulières là-dessus ou non? Alors, le but, c'est vraiment d'arriver à travailler en synergie, de créer des passerelles, de créer des liens entre toutes ces composantes. Parce qu'au final, on fait partie d'une seule université, l'Université Côte d'Azur. Donc, si on part du début, après Parcoursup, vous avez la possibilité d'intégrer soit l'IUT avec intégration directement dans maintenant ce qui va être à la prochaine rentrée, les BUT, les bachelors universitaire de technologie, soit d'intégrer une classe préparatoire pour Polytech, puisque Polytech a une classe préparatoire, et le plus gros des formations, ce sont les licences. Les licences, elles sont organisées au sein de portails pluridisciplinaires. Nous avons sept portails au sein de l'université qui vont des sciences à l'économie-gestion, le droit, les lettres, les sciences humaines et sociales. Donc, on couvre tous ces domaines-là. L'intérêt d'être dans un portail de licence, c'est qu'on essaye de travailler de moins en moins en formation cloisonnée. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un tube et on ne va plus en sortir. Non, on rentre dans un champ disciplinaire et quels que soient les domaines, on a systématiquement des enseignements vraiment de cœur de la formation, mais aussi des enseignements d'ouverture ou des enseignements qui vont permettre d'affiner son parcours et ou de se réorienter potentiellement. Si je prends par exemple le portail Sciences, c'est un portail qui se veut à la carte. C'est-à-dire que l'étudiant,
Il est inscrit vraiment au sein du portail. Il a obligation de choisir quelques modules, par exemple de maths, etc. Mais après, il compose son année comme il le veut. Il assemble l'électronique, l'informatique, la chimie, comme il le souhaite. Et petit à petit, il va se spécialiser. Et il va de plus en plus insérer des unités de formation de la discipline qu'il a choisie. Mais dès le début, il part sans a priori et peut changer. On a un peu la même chose, par exemple, aussi en lettres, où on a des yeux disciplinaires, mais on a aussi des yeux d'ouverture qui permettent de découvrir notre discipline et de pouvoir potentiellement essayer de changer ou d'avoir une autre vision, un peu décloisonner sa discipline. Oui, je vois. Donc, vous dites en fait que les étudiants ont la possibilité d'avoir finalement des passerelles entre les différentes formations et du coup de ne pas se cantonner à une seule voie. Par exemple, là, si nous avons des lycéens qui sont en train de nous écouter, ils savent d'avance qu'ils ont la possibilité quand même de changer. S'ils s'engagent dans une seule voie, ils ne sont pas bloqués, quoi, finalement. Mais justement, finalement, pourquoi les étudiants devraient-ils choisir Université Côte d'Azur? Quelles sont les raisons qui pourraient les pousser, au-delà donc déjà de ce large domaine de compétences, à s'inscrire dans ce processus? Alors, Université Côte d'Azur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des 10 universités françaises qui sont labellisées d'excellence. Donc, c'est peut-être quelque chose qui parle un peu lorsqu'on arrive à l'université, mais c'est vraiment un gage de qualité à la fois de l'enseignement et de toutes les équipes pédagogiques. Notre université est vraiment engagée dans une démarche transformante pour faire en sorte que les formations soient le plus tôt possible irriguées par nos domaines de recherche. Donc, nous sommes tous la majorité d'entre nous sommes des enseignants-chercheurs, donc on est aussi des chercheurs à côté, et les étudiants peuvent assez tôt s'immerger un peu dans les thématiques de recherche de nos laboratoires, donc ce qui permet d'avoir cette vision d'une discipline et d'être toujours à la pointe. Ça n'empêche aussi que nous avons aussi beaucoup de formations qui sont très orientées vers l'industrie ou qui sont en alternance. On développe énormément aussi l'alternance à l'Université Côte d'Azur, principalement au niveau master, mais il existe aussi des licences pro qui vous permettent de travailler en même temps que vous faites vos études. Donc, l'université, elle a par ce côté-là aussi un fort ancrage sur le territoire. Elle est associée vraiment avec les entreprises de son territoire. On a de nombreux liens avec elle. On a des liens aussi avec les collectivités. L'Université Côte d'Azur, ce sont des campus qui sont répartis aussi de Menton à Cannes en fonction des particularités. Donc, on a cette volonté d'avoir toujours un enseignement de qualité qui s'associe vraiment avec la recherche de pointe et aussi un lien fort avec les industries. Donc, vraiment avoir ce triptyque-là important pour avoir des étudiants qui sont fort, bien formés et qui puissent s'insérer correctement dans le monde de demain. Et je rajouterai aussi que nous avons la chance d'être entre une région assez incroyable où finalement la distance entre la mer et la montagne, c'est une heure et demie. Et on peut très bien aller skier l'hiver. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Oui. C'est beaucoup mieux. Et aller à la plage l'été, voire même faire les deux dans la même journée si on n'est pas frileux. Donc, effectivement, vous avez bien raison. D'accord, je vois. Et par exemple, donc vous avez déjà quand même en amont évoqué quand même un certain nombre de formations qui sont possibles. Vous avez notamment insisté sur l'importance des licences et des différents portails qui existent. Donc, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous détailler un peu plus précisément l'organisation des formations que ça est, par exemple, du Bac plus 3 au Bac plus 8, par exemple, on peut commencer avec une licence et poursuivre jusqu'au doctorat, j'imagine, à l'Université Côte d'Azur. Complètement. Alors, on peut faire plein de choses. On peut se dire que l'on va partir avec une licence, s'engager dans une licence. Et à l'issue de cette licence, il y a de nombreuses possibilités. Quand on est en L2, on peut très bien descendre en deuxième année de licence, donc on peut très bien décider d'intégrer une licence professionnelle. L'objectif principal de ces licences, c'est d'intégrer le monde du travail de suite après. Ce sont des licences très pratiques, qui se font beaucoup en apprentissage, comme je disais. Il n'empêche que les meilleurs de promo peuvent toujours avoir la possibilité de continuer en master. Si on fait une licence plutôt généraliste,
peut aussi insérer le monde du travail, mais c'est souvent pour continuer en master. Donc, en master, on va intégrer donc une formation de 2 années. Là aussi, potentiellement en apprentissage, il y a de tout. On peut aussi se diriger vers un master qui a plus une orientation recherche, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a envie de faire une thèse après. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Donc, on va travailler, on va faire son stage de seconde année dans des laboratoires de recherche ou en entreprise, parce que des entreprises ont aussi des laboratoires de recherche. Et après, s'engager pour faire une thèse. Donc, après un bac plus 5, s'engager pour un diplôme encore 3 années qui vous donne le titre de docteur. Et là, on a après travaillé à l'international, travaillé dans l'industrie ou pouvoir intégrer le corps des enseignants-chercheurs ou des chercheurs dans un organisme de recherche comme le CNRS. On peut très bien aussi, après la licence, décider de partir en école d'ingénieur. Il existe des passerelles entre nos licences et notre école d'ingénieur Polytech Sofia. Donc, il y a d'autres écoles d'ingénieurs ailleurs en France. Donc, il y a de nombreuses possibilités. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'essayer de partir aussi une année à l'étranger, de faire une césure d'une année ou d'un semestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université Côte d'Azur fait partie d'un consortium qui s'appelle ULICEUS, qui est un consortium d'universités européennes pour faciliter la mobilité entre différentes universités au sein de l'Union européenne. Donc, on a de très nombreuses possibilités et l'objectif, c'est que l'étudiant ne soit jamais bloqué dans une formation, mais qu'il ait la possibilité d'avoir des passerelles, de changer. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas forcément savoir tout de suite ce qu'on veut et de pouvoir évoluer. D'accord, oui, absolument. Ça, c'est important. C'est un point effectivement que nos auditeurs doivent bien retenir. Et d'ailleurs, pour poursuivre dans cette démarche de passerelle, vous avez parlé tout à l'heure de la réorientation. Donc, par exemple, des personnes qui auraient pu faire plusieurs années de césure, une coupure qui aurait finalement rompu avec le système scolaire et qui ensuite s'y remettraient, y reviendraient ou même qui changeraient totalement de profession, qui s'engageraient dans une nouvelle formation. Ça aussi, du coup, c'est possible à l'Université Côte d'Azur. Complètement. Alors, il y a deux types de réorientation possibles. Il y a la réorientation où on est arrivé après Parcoursup, on a choisi une formation et on s'aperçoit rapidement que j'avais pris, la licence de droit et finalement, je veux partir en licence de philo. On a la possibilité, on organise pendant le premier mois, en échange et en partenariat avec nos conseillers d'orientation, une période de réorientation où les étudiants qui le souhaitent en fonction des places disponibles peuvent échanger et peuvent basculer vers une autre licence. Donc, il y a ce moment-là possible très rapidement dans l'année. Ce moment-là se reproduit à l'issue du semestre. Donc, cette fois-ci, on se dit finalement, on prend le cas inverse, j'étais en philo, je veux passer en droit. Il y a des possibilités de le faire. Ça devient un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Et après, l'autre possibilité que vous évoquiez, c'est qu'effectivement, l'université, c'est maintenant et de plus en plus une université ouverte à la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir travaillé pendant 2 ou 3 ans, être parti, avoir décidé peut-être de ne pas continuer de suite ses études et fort de son expérience professionnelle, vouloir revenir à l'université. Et là, c'est tout à fait possible. En fonction des années pendant lesquelles on a travaillé, on peut avoir une reconnaissance ou une validation d'années antérieures pour intégrer directement une L3, voire un master, et ainsi pouvoir reprendre des études et faire valider en fait ses acquis de son expérience.
Je vois. Oui, donc voilà, le public en fait auquel s'adresse l'Université Côte d'Azur est assez large finalement. D'ailleurs, on peut dire finalement aussi que les parcours des personnes sont de plus en plus personnifiés, en ce sens où l'Université Côte d'Azur essaie de répondre à plusieurs enjeux. Est-ce qu'on peut dire du coup que par exemple les formations pluridisciplinaires sont variées, de même que les compétences finalement, est-ce qu'il y a une comment formuler oui une variété assez large en fait des formations et des outils pédagogiques. Tout à fait. Alors, plusieurs réponses. On a une des particularités aussi de l'Université Côte d'Azur, c'est d'avoir très tôt voulu développer un grand nombre de doubles licences. Vous avez la possibilité de vous inscrire dans des parcours qui vous permettront d'obtenir deux licences. Je citais tout à l'heure la passerelle entre philo-droit, il existe une double licence philo-droit. Il existe aussi une double licence chimie-biologie. C'est des choses un peu plus traditionnelles. Mais il existe donc un grand nombre de doubles licences qui permettent d'acquérir une double compétence. Et au-delà de ça, nous avons aussi la chance à l'Université Côte d'Azur d'avoir été labellisé pour un grand programme d'investissement qui s'appelle les nouveaux cursus universitaires, qui est donc notre programme LADUCIA, qui a pour but de décloisonner les formations en essayant de faire un maximum de formations à la carte, mais aussi d'ouvrir des formations très pluridisciplinaires. Et je prends l'exemple d'une nouvelle formation que l'on va ouvrir à la rentrée prochaine, qui est une licence qui porte la mention sciences et humanités, parcours environnement. Donc déjà, un titre large parce que ça comprend des sciences et ce qu'on appelle des humanités, c'est-à-dire des sciences humaines et sociales. Dans cette licence, dans ce parcours environnement, il y a un tiers de sciences, il y a un tiers de SHS et vous avez aussi un tiers, donc quand on dit SHS, ça peut être la géographie plutôt humaine, mais vous avez aussi du droit, vous avez aussi de l'économie. Donc, vous avez vraiment une formation très variée qui reprend des enseignements présents sur un grand nombre de portails disciplinaires. Le but, c'est aussi voilà, de former ces nouveaux profils qui ont besoin de compétences disciplinaires variées. Ce genre de parcours a aussi vocation à se développer au sein de l'Université Côte d'Azur. Oui, il y a d'autres projets de mention large qui sont en cours, me semble-t-il, pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. Tout à fait. Alors, nous avons, donc, il existe aussi la mention large sciences et technologies. C'est le portail dans lequel s'inscrivent les étudiants en sciences. Et ceux qui ne souhaitent pas viser une mention disciplinaire comme l'informatique, les mathématiques, peuvent continuer à rester dans cette mention sciences et technologies jusqu'au bout et avoir une mention sciences et technologies. Nous avons aussi eu la reconnaissance de la mention humanité. Qui, elle, a un parcours qui est plutôt orienté sur l'urbanisme et la gestion de l'urbanisme, là aussi avec un profil très pluridisciplinaire et qui se veut vraiment ouvert sur un ensemble de disciplines pour former des gens qui savent travailler aux interfaces et pour répondre vraiment à des attentes du monde industriel, du monde socio-économique d'aujourd'hui et de demain, est vraiment collé avec les aspirations aussi des étudiants qui aiment aussi avoir des profils peut-être un peu plus variés qu'auparavant. Et en termes d'organisation, justement, donc vous nous avez dit que plusieurs portails sont concernés par ces mentions larges. Si les étudiants viennent à choisir en L1 ou en L2, du coup, cette mention, finalement, comment leur emploi du temps va-t-il s'organiser? Est-ce qu'ils vont devoir se déplacer de portail en portail, donc de faculté en faculté, ou est-ce qu'il y aura un endroit précis où ils pourront donc suivre leur enseignement? Alors, la question de l'emploi du temps est toujours une question délicate. Alors, l'objectif, c'est que justement aussi dans le cadre de ces parcours, ils puissent être en contact avec des étudiants des autres disciplines. Donc, effectivement, l'organisation,
elle se veut centrée sur le campus qui porte la discipline. Donc, les étudiants auront à se déplacer, pas toujours, parce que bon, vous avez bien vu qu'on développe de plus en plus des solutions en distanciel. Absolument. Donc, on peut envisager aussi, et c'est le cas dans certaines options, que les options soient diffusées sur plusieurs campus alors qu'elle a lieu dans un campus bien précis pour que les étudiants se déplacer. Donc, il y aura cette solution-là qui sera sûrement mise en place, mais ils auront aussi à se déplacer. Alors, les périmètres sont quand même restreints à la ville de Nice nous avons la chance maintenant avec le tram que l'ensemble de nos campus sont vraiment assez bien connectés avec le réseau du tram, ce qui permet quand même un déplacement relativement facilité. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir un emploi du temps qui fasse que l'étudiant soit au moins la demi-journée, voire la journée sur un campus et puisse ensuite se déplacer, mais qu'il n'ait pas en permanence à bouger d'un cours à l'autre, sinon effectivement, ce ne serait pas possible. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, merci pour ces précisions sur les mentions larges qui sont quand même des enjeux majeurs, je trouve, de cette université Côte d'Azur est très porteur. Y a-t-il d'autres atouts que vous souhaiteriez souligner pour pousser donc les lycéens et les étudiants à s'engager auprès de l'université Côte d'Azur? Alors, comme je l'ai dit, je crois que ce qui fait la force, c'est d'abord d'offrir des formations à tous les niveaux de sortie, à toutes les disciplines, et dans un établissement qui s'est vraiment engagé dans la transition pédagogique. Donc, on utilise de plus en plus de nouveaux moyens numériques d'enseignement. Alors, ça ne veut pas dire que le présentiel n'est pas important. Il est essentiel et on s'en rend compte aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on peut faciliter l'apprentissage ou avoir d'autres modalités d'apprentissage en utilisant le numérique. C'est aussi un établissement qui investit dans ses équipements, pour les étudiants, à la fois en termes de travaux pratiques, mais aussi, vous l'avez peut-être suivi dans l'actualité, nous avons été bénéficiaires de nombreux financements dans le cadre du plan de relance et nos campus vont être profondément rénovés. Et donc, les étudiants sont amenés à vraiment travailler dans des conditions qui vont être grandement améliorées très rapidement, puisque nous devons le déployer rapidement. Et nous travaillons vraiment à sans cesse améliorer les conditions, que ce soit de réseau, de Wi-Fi, de nos BU qui sont en milieu d'exercice, qui sont sans cesse rénovés. Et l'Université Côte d'Azur, c'est important aussi, a une politique très clairement affichée à destination du bien-être et de la santé des étudiants, qui passe à la fois par une offre sportive de qualité. Donc, nous travaillons maintenant depuis 2 ans à rénover toutes nos installations sportives et en créer de nouvelles, et aussi à accompagner mieux les étudiants dans la santé, Et là, un gros travail de réorganisation sur toute notre politique de santé et d'accompagnement est à l'œuvre. Et à la rentrée prochaine, elle vendra ses fruits avec vraiment un centre universitaire de médecine préventive rénové et actualisé. Donc, c'est tout un écosystème global qu'il faut considérer et qui fait que je pense que l'Université Côte d'Azur est l'université qu'il vous faut. Effectivement, oui, c'est très vendeur, ça donne envie. Merci en tout cas pour toutes ces informations, Stéphane. Ce fut un plaisir de vous écouter, sincèrement, et j'espère que nos auditeurs, du coup, en apprendront plus sur l'Université Côte d'Azur et seront déterminés donc, à s'y engager l'année prochaine. Et sur ce, je vous souhaite eh bien, une bonne continuation et merci pour tout. Je vous remercie beaucoup, Margot. C'était aussi un plaisir d'échanger avec vous. Merci. À très bientôt à l'Université Côte d'Azur. Absolument. À bientôt.